Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les incroyables invocations sur... là, on est actuellement sur Twitch. Vous voyez avec le petit chat avec les zozos en bas. Et on va lâcher pas moins de 10 000 primo, enfin 11 000 même, sur la bannière de là. Pour vous faire le topo, très simplement, j'ai tous les 4 étoiles disponibles sur la bannière Constellation 6. Donc, c'est Ela et Ela seul qui m'intéresse ici. On a fait le petit rituel avec Dokkan et Sansoul. Il s'est assis avec ça, Ela. Et là, on est au bar vu que les commerces n'ont pas réouvert en France à l'intérieur, en intérieur. Mais seulement les terrasses au moment où je publierai cette vidéo. Bah, on s'est dit qu'on allait faire ça sur Genshin avant d'invoquer. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus pour envoyer de la force. Ça ferait plaisir. Je vous avoue que j'ai pas mal de pression parce que là, on est sur du 50-50. Au niveau de l'historique, je sais plus tellement où j'en suis. On va regarder ça ensemble. Mais je crois que je suis assez loin de la pitié en vrai. À voir. Alors, ah, quand même. Hein. 7, 8, 9, 10. Ok. Ok, pas mal. On est à 58 de pitié. 58 de pitié. On a à peu près une soixantaine d'invoques, 70 plutôt. Donc, si on l'a assez vite, j'ai promis qu'on ira dépenser quelques invocations sur la bannière arme. Souhaitez-moi bonne chance, j'espère que vous avez eu du lourd en tout cas dans votre cas. Et puis, bah, let's go, on va lâcher la première multi avec les 5 du coup personnages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifs aussi pour être au courant. Ça fait plaisir. Allez, let's go. Premier 4 étoiles, c'est quoi? J'ai pas vu, ça doit être une arme qui est passée. Thank you. Ok, thank you. Bon, bah, je l'ai déjà. J'ai déjà Constel Max. Ça me fait des astéries en plus. Pourquoi pas, écoutez. Pourquoi pas. Il n'y avait pas grand chose de toute manière au niveau des 4 étoiles que je pouvais avoir sur ce portail là. Donc voilà, 5 astéries, ça fait une single. C'est toujours ça de prix. Ok, je vais lâcher 2-3 singles pour un peu tâter le terrain. Alors là, on vient de lâcher une multi. On était à 58. Du coup, on est à 68. Et on approche de la soft. Donc là, on est à 69. Je pense qu'on va lâcher des singles. Je pense qu'on va lâcher des singles, on l'a droppé tout à l'heure sur le compte de Dokkan Essential en très peu de singles, donc on va faire ça. Alors 70e invocation, la 71e du coup. La pression monte, la pression monte. Parce que les mecs, je vous promets que j'ai besoin d'aucun doublon de 5 étoiles. Actuellement hors détecteur en fait, enfin hors portail, hors bannière. Parce que j'ai déjà Diluc C3, j'ai déjà Mona C1, j'ai déjà Chichi. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Donc c'est eux là ou rien vraiment. C'est eux là ou rien. Allez, allez, let's go. Je sais plus, je sais plus le compte, j'en suis à combien. Je crois que c'est la 74e là. Je deviens fou. En espérant qu'on l'ait à la soft et qu'on n'ait pas besoin d'aller jusqu'à la hard pity. Parce que je crois que la dernière fois pour Sierra, on a dû aller jusqu'à la hard pity. Le 4 étoiles qui tombe, qui va être du coup une arme. Donc rugissement du lion. Pourquoi pas? Merci à tous pour les follow, les mecs, bienvenue à vous. Pourquoi pas, pourquoi pas? S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Oh putain, non. Oh, ça y est. Oh, je vais devenir le Diluc Master maintenant. J'ai Diluc C4, les mecs. Diluc C4, punaise. Bon, c'est pas mauvais. En soi, c'est pas mauvais. Mais eux là. Me voilà bien embêté. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai une cinquantaine d'invoques. Allez, on va hard-pull. On va essayer de la choper. Let's go. Je vous avoue que... Je suis pas... En fait, en termes de 5 étoiles... C'était un peu le moins pire, on va dire. Mais quatrième, quoi. Quatrième.
Quatrième doublon, je crois que ça booste. Ça booste quoi le quatrième? Je crois que le quatrième, je sais plus l'effet que ça. Faudrait que je regarde. Et là en plus, je vais pas pouvoir aller jusqu'à la pitié. Oh là là, ça va être chaud les mecs. Ça va être chaud. S'il te plaît, c'est le moment. S'il te plaît, c'est le moment d'avoir de la chance. C'est le moment d'avoir de la chance. Thank you. De toute façon, tu sais pas jouer. Alors, on a un pro dans le chat apparemment de Genshin Impact, un pro de l'e-sport qui s'appelle SG Poney FR. Bravo à toi du coup. T'as voulu attirer de l'attention, je t'en donne. Voilà. J'espère que ça te fait du bien, mon frérot, et que ce soir tu vas t'endormir avec avec le sourire. Tu vois, j'ai dit ton pseudo, donc tu dois être content. Je pense que c'est ce que tu cherchais. Ah là 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 là, le 5 étoiles qui tombe pas. Le 5 étoiles qui tombe pas. Il nous reste... Putain, la défaite. La défaite, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Yes. Nice. Let's go. Nice, let's go. Doublon Diluc plus E là en combien d'invocations? En 50 invocations, je prends, incroyable. Let's go. Let's go, putain. 50-60 invocations, Diluc plus E là, yes. Enfin un perso qui tombe pas en hard pity depuis Albedo, j'en avais tapé aucun. Nice, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, punaise. Ça fait giga plaisir. Bon, je vous ai dit que j'allais invoquer sur la bannière arme si j'avais de la chance. Mais en vrai... En vrai, il n'y a un peu aucun intérêt d'invoquer sur la bannière d'arme. Je vais pas vous mentir. J'ai toutes les... En vrai, ça serait de la bêtise d'invoquer sur la bannière d'arme. Ça serait vraiment de la bêtise. Ce que je peux faire, c'est on fait 3 singles pour le fun. Mais en vrai, ça serait de la bêtise dans le sens où j'ai déjà toutes les armes raffinées au max là. Les 4 étoiles, en fait, je les ai déjà... à fond, en fait, raffiné 5. C'est ça, le... Ouais, sort de cette bannière. Ouais, j'ai fait juste 3 singles pour le fun. Mais, ok. Ok, nickel, allez tomber, punaise. Alors, j'ai hâte de voir un truc. C'est la constellation Diluc, c'est quoi? Exécuter un saut brûlant en rythme augmente considérablement les dégâts infligés. 2 secondes après le lancement d'un saut brûlant, les dégâts du prochain saut brûlant s'augmentent. What the fuck, c'est giga fort. Oh, c'est super fort la quatrième constelle. Oh, la constelle de malade. Oh, la constelle de malade qui augmente de 80% les dégâts du dernier coup. Oh, la C4 qui est incroyable.